Et yop tout le monde, c'est Chef Lucien. Aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale. Je vais vous montrer comment peindre son disque de frein. Donc ce que j'entends par peindre son disque de frein, c'est peindre la partie qui est là, celle où les plaquettes ne frottent pas. Donc pour cela vous aurez besoin d'une visseuse avec un embout Torx pour la plupart des vélos, pour dévisser la vis de la roue. Donc ça se présente comme ça après. Voilà. Donc on dévisse les 6 vis. Et après on a le disque. Ensuite, on aura besoin du scotch pour masquer les parties qu'on ne voudra pas peindre. Puis la peinture. Donc moi je vais prendre la peinture rouge. C'est celle que j'ai utilisée pour les ateliers de frein. Si vous avez pas vu la vidéo, je vous mettrai un lien. Et enfin, du vernis pour que la peinture elle tienne. Donc voilà, on va commencer la première partie. Donc pour la première partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le scotch et on va découper des bouts pour qu'on puisse en mettre tout le long de la bande de freinage. Voilà, tac. Donc toute cette partie là en fait. Puis on voit bien la distinction de couleur, parce que c'est là où les plaquettes elles frottent, et du coup là bah c'est un coloré plus mat. Et du coup il n'y aura pas besoin de poncer en fait cette partie, parce qu'elle est déjà brute. On peut voir des points de rouille en fait, qui montrent bah, qu'il n'y a pas de peinture ni rien dessus. Donc on peut peindre directement dessus. Juste bien penser à bien faire cette étape avant si on veut pas abîmer notre disque. Donc voilà. Donc voilà pour avoir fini le travail, donc ça ressemble à ça. Tac. Bon c'est un peu long et fastidieux, mais bon après c'est fini, après il y a juste à peindre et... Donc voilà. Donc pour les conseils de peinture, je vais vous donner 2-3 astuces. En gros, quand vous peignez, il faut que vous soyez toujours en mouvement. Donc, c'est-à-dire que vous fassiez comme ça, pas s'arrêter sur un point, sinon ça va faire des coulures et ça va faire un gros pâté de peinture. Donc, il faut vraiment que vous soyez toujours en mouvement comme ça. Et après, voilà, je vous conseille de faire un minimum de couches, comme ça tiendra plus longtemps. Voilà. On pourrait voir cette ville sans drogue, en vérité, ils nous en donnent, ce sera bientôt l'égalité. Donc voilà le résultat, 6 mois après. Donc là, on est en octobre, et je l'avais fait en avril. On peut voir que ça a très bien tenu dans le temps, grâce à la couche de vernis, entre autres. Voilà, ils sont un peu sales. Il a fallu quelques petites égratignures, comme là, mais sinon... Sinon pour le reste c'est nickel. De l'autre côté aussi c'est bon. Je vais vous montrer. Hop. Hop. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et abonnez-vous. Allez, à la prochaine.